Er wurde in einer berühmten Entdeckerfamilie geboren. Sein Großvater und Vater erkundeten die höchsten Höhen und die tiefsten Tiefen der Welt. Heute fragen wir Bertrand Piccard, wie viel Risiko gehört eigentlich zu einem glücklichen Leben und wohin bringen uns Grenzerfahrungen? Sagen Sie mal, Sie leben ein Leben, wie Sie sich als Kind das immer gewünscht haben und erträumt haben. Heißt das, Sie sind glücklich? Oui, je suis heureux parce que j'avais beaucoup de rêves d'enfant que j'ai réussi à réaliser. Et je reste encore en relation avec l'enfant d'autrefois qui a cette capacité de rêver, qui a cette capacité de s'émerveiller, qui a cette capacité d'essayer des choses. Et j'ai l'impression d'être encore un petit peu un enfant d'un certain côté. Also ein bisschen geblieben. Was bedeutet für Sie denn Glück ganz genau, wenn Sie da so ein bisschen mehr erzählen davon? Mais il y a des bonheurs sur des tas de niveaux différents. Mais je crois que finalement, le bonheur, c'est la sensation de pouvoir s'épanouir, la sensation de pouvoir atteindre ce qu'on aimerait atteindre, mais être ce qu'on a envie d'être. Alors, ce n'est pas tous les jours facile, hein, mais le bonheur, c'est quelque chose qui dépend de tellement de choses différentes. C'est difficile à définir théoriquement, parce que pour chaque personne, ça va être différent. Moi, je pense que je suis heureux parce que j'arrive à être dans les situations qui me permettent d'essayer au moins d'accomplir ce que j'ai envie de faire, même si je ne réussis pas tout et si je ne réussis pas toujours. Nicht immer alles. Jetzt haben Sie einiges schon erreicht. Wir sprechen auch später schon noch darüber, wovon Sie eben als Kind geträumt haben. Welche großen Projekte gibt es für Sie noch, wovon Sie träumen, die Sie noch erreichen möchten? Vous savez, on est dans un moment de l'histoire du monde où il y a énormément de défis, énormément de problèmes et de difficultés. Il y a les changements climatiques, il y a la pollution, il y a l'inflation, il y a des guerres, il y a la pauvreté, il y a des pandémies, il y a des inégalités sociales qui sont absolument inacceptables, des vagues d'immigration, des souffrances dans le monde. Et je pense que c'est ça qu'il faut arriver à résoudre aujourd'hui. L'exploration, c'est plus d'aller conquérir des nouveaux territoires comme autrefois. L'exploration, c'est beaucoup plus psychologique, philosophique, politique, spirituel. C'est comment est-ce qu'on arrive à penser autrement et agir autrement pour avoir une meilleure qualité de vie sur cette planète. C'est peut-être pour ça que je suis devenu médecin. C'est parce que j'ai envie de contribuer à cette partie-là de l'exploration. Und was Sie auch beigetragen haben, schauen wir uns doch mal ganz kurz an, zwei Beispiele. Sie umkreisen zweimal die Welt, 1999 mit einem Ballon, das war dann beim dritten Versuch, Orbiter 3 zusammen mit Brian Jones und in Etappen von 2015 bis 2016 mit André Borschberg in einem Solarflugzeug, Solarimpuls 2. Lassen Sie uns doch ganz kurz anschauen, wie das ausgeschaut hat. Angefangen hat alles 1999 in der Schweiz. Bertrand Piccard startet in Château D zusammen mit dem britischen Piloten Brian Jones zur Umrundung der Welt im Heißluftballon. Sechs Jahre Entwicklung und zahlreiche Rückschläge liegen hinter ihnen. Nach 20 Tagen schaffen sie die Sensation. Doch für Piccard ist es der Beginn eines noch größeren Projekts. Allein mit der Kraft der Sonne fliegen. Tag und Nacht. Ein Traum, der nun Wirklichkeit werden soll. Das Flugzeug fliegt gegen Osten, der aufgehenden Sonne entgegen. Für Bertrand Piccard geht ein Traum in Erfüllung. Und der Mann mit den stahlblauen Augen zeigt, dass auch seine Nerven nicht immer aus Stahl sind. Stress bis letzter Moment. Stress bis letzter Moment. Es war noch ein elektrisches Problem im Cockpit. Wir mussten reparieren am letzten Moment, aber jetzt, das Flugzeug ist in der Luft, André ist unterwegs nach Oman. Wenn alles geht gut, morgen, ich fliege nach India und wir gehen um die Welt. Das Flugzeug ist in diese Richtung gefahren. Wenn alles geht gut, es kommt von dieser Richtung in 5 Monaten. Solarimpuls. Das erste bemannte Solarflugzeug der Welt startet zu seiner Weltumrundung. In weniger als 15 Etappen soll es den Globus umfliegen, allein mit der Kraft der Sonne. Die Mission, einmal um die Welt ohne Treibstoff, ist zum Greifen nah.
Ein Kindertraum von Picard breitet seine Flügel aus. Und Picard zeigt wie ein glückliches Kind sein neues Spielzeug. Sein Cockpit. Das Cockpit der Solar Impulse 2. Die Nahrungsmittel ist in dieser Schachtel hier. Die Toiletten sind da. Sie können hier öffnen und Sie haben die Toiletten da unten. Sie haben Wasserreserven und wenn Sie wollen schlafen, Sie können so machen. Ein Meilenstein in der Geschichte der Luftfahrt. Ja, Sie haben... J'ai appris à voler avec un avion solaire, mais pas encore à parler allemand. Sie haben mir zuvor gesagt, Sie haben dieses Steuerrad von Solar Impulse zu Hause. Oui, j'ai demandé aux ingénieurs de démonter le manche à balai à la fin de l'aventure pour que je puisse le garder en souvenir. Yeah. Parce que j'ai fait des centaines d'heures en vol en tenant ce manche à balai. C'était vraiment ce que j'avais dans les mains. C'était ce qui me permettait de me diriger dans le ciel. Et ça, j'ai gardé en souvenir. Mit dem ganzen Schweiß ihrer Hände da drin. Man hat sie zuvor gesehen. Man hat sie zuvor gesehen, wie sie da Tränen gehabt haben, als André Borschberg in Richtung Oman losgeflogen ist. Was waren das für Tränen? Tränen der Erleichterung, der Freude? Was waren das für Tränen? Il y avait 13 ans de préparation. Yeah. 13 ans pendant lesquels le bonheur ne vient pas du succès. Le bonheur vient du fait qu'on est en train d'essayer. Okay. Et qu'on ressent la force de continuer. C'est peut-être ça qui donne aussi le bonheur. Mais avec beaucoup de difficultés, une partie de l'aile qui s'est cassée pendant la construction. On était régulièrement à 2 mois de la faillite parce qu'il fallait trouver toujours des nouveaux partenaires. Le projet était beaucoup plus long et beaucoup plus difficile que prévu. Et quand tout à coup, l'avion a pu décoller pour commencer le tour du monde, c'est vrai que c'était une libération incroyable par rapport aux 13 ans précédents. Puis c'était un stress terrible parce qu'on se disait, c'est maintenant l'heure de vérité. Est-ce que tout ça, ça va servir à quelque chose? Est-ce que ça va marcher? Est-ce qu'on va vraiment faire le tour du monde? Et puis aussi, est-ce que les gens vont comprendre pourquoi on fait ça? Ce que ça peut apporter sur le plan technologique? Ce que ça peut apporter pour promouvoir l'énergie solaire? Parce qu'à l'époque, il faut quand même se rappeler, quand j'ai commencé ce projet, l'énergie solaire, c'était anecdotique, c'était beaucoup trop cher, les gens n'y croyaient pas. Et le but, c'était vraiment de montrer ce qu'on pouvait faire comme projet impossible ou qui apparaissait impossible avec des technologies propres, avec des énergies renouvelables et essayer d'encourager cette transition énergétique avec un projet spectaculaire. Donc, il y avait une pression terrible parce que si on ratait, Genau, c'était was wäre dann gewesen? Négative, c'était pas une promotion positive. Aber was hätten Sie dann gemacht, wenn es nicht geklappt hätte, wenn es schief gelaufen wäre? On n'avait pas le droit de rater. Das ist eine Einstellungsfrage. Non, mais c'est pour ça que c'était un stress permanent pour André, pour moi, pour l'équipe. Ich habe mich eben gefragt, Sie haben jetzt gesagt, 13 Jahre Arbeit, eben dann gibt es einen gewissen Druck, dass es einfach klappen muss. Und weil wir zuvor auch über das glückliche Leben gesprochen haben und weil Sie jetzt gesagt haben, das Glück besteht auch darin, in diesem Weg und nicht nur darin, das Ziel zu erreichen. Aber das Ziel zu erreichen hat auch bedeutet, unheimliche Risiken einzugehen, finanzielle Risiken, zeitliche Risiken, aber irgendwann auch das eigene Leben aufs Spiel zu setzen, oder nicht? Mais vous savez, c'est un choix de vie. Vous décidez dans votre vie ce que vous voulez faire, quels sont les risques que vous voulez prendre, est-ce que vous acceptez l'hypothèse de rater tout ce que vous faites parce que vous faites quelque chose de trop difficile, ou bien est-ce que vous voulez faire seulement ce que vous êtes capable de réussir, puis alors vous réussissez beaucoup moins mais vous ratez pas. C'est un choix. Moi, j'ai vécu mon enfance avec des gens qui prenaient des risques. Genau. Mon grand-père qui a fait le premier vol stratosphérique quand c'était considéré comme impossible. Il n'y avait aucune assurance qui voulait couvrir son ballon. Il n'y avait personne qui voulait construire la cabine. Quand mon père a plongé dans la fosse des Mariannes,
Il est descendu à 11 km quand tiefsten les Punkt sous-marins und dann, officiels genau. des différents pays plongeaient à 300 mètres. J'ai vu des astronautes qui partaient pour la Lune. J'ai discuté avec eux, les patrons de la NASA, des pilotes d'essai, des explorateurs, des alpinistes. Et c'est des gens qui m'ont montré que ce qui est passionnant, c'est d'essayer, c'est de repousser, en fait, les limitations qu'on s'impose à soi-même. Parce que ce n'est pas les limites physiques qu'il faut repousser. Les limites physiques, c'est des limites physiques qui sont là. Mais toutes les limitations, tout ce qu'on s'inflige à soi-même, comme peur, comme angoisse, comme restriction, c'est ça qu'il faut faire exploser. Parce que ça ne sert à rien du tout. Alors, also moi, eigentlich choix... zuerst in sich selbst diese Grenzen überwinden, heißt das. Das oui. ist das, was man auch Mais entdeckt. C'est les limites de soi-même yeah. qu'il faut faire exploser. Parce que c'est ça qui nous permet de vivre beaucoup plus intensément, d'avoir une vie beaucoup plus utile, d'essayer des nouvelles choses, d'apporter sa contribution. Aber sagen Sie mal, ich sehe das, ich sehe den Reiz darin, aber wie muss ich mir das dann vorstellen? Sie sind auch ein gläubiger Mensch. Sie sagen, Sie seien ein gläubiger Mensch. Gibt es denn von Ihrer Seite her auch diese Restriktion sozusagen, die Angst vor dem Tod, gewisse Risiken dann nicht einzugehen deshalb? Vous me demandez si je suis croyant. Moi, je crois dans le Dieu qui a créé les hommes, mais je ne crois pas du tout dans le Dieu que les hommes ont créé pour se rassurer de la peur de la mort, etc. Mais je pense que la religion a créé un Dieu avec des mots humains, des émotions humaines, des explications humaines, et que ça manque de transcendance, parce que c'est une explication humaine. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est la transcendance, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a au-dessus de nous, yeah. qu'est-ce qu'il y a comme force, comme énergie, comme être au-dessus de nous, mais qui est tellement au-dessus qu'on ne peut pas le comprendre avec notre cerveau humain. On ne peut pas l'aimer avec un cœur humain. Il y a un écart énorme. Et là, il y a un mystère. Là, il y a une transcendance. Il y a quelque chose qui nous dépasse. Yeah. Et si on parle de Dieu avec des mots humains, ça ne peut pas être le Dieu qui existe vraiment. Aber wir können ja gar nicht anders darüber sprechen als mit menschlichen Worten. Dann müsste man ja eigentlich über Gott einfach schweigen. Mais peut-être que c'est quelque chose à ressentir plus qu'à expliquer. Et je pense que c'est la différence entre la spiritualité et la religion. Dans la religion, vous donnez des réponses. Même aux gens qui n'ont pas posé des questions, vous leur dites quoi penser. Dans la spiritualité, vous ne donnez pas de réponses. Il y a des questions. Il n'y a pas de réponse, il y a un mystère, et ce mystère crée une conscience, crée une ouverture. Et c'est cet état de conscience, d'ouverture, de réceptivité qui, à mon avis, est la chose la plus importante à vivre, parce que c'est ça qui nous permet de créer plus de sagesse, plus de bonté, plus de compassion, de s'ouvrir aux autres, parce qu'on n'est pas... On conflit sur des manières de croire. On est juste ensemble sur un chemin qui est un chemin très mystérieux entre la naissance et la mort. On ne sait pas pourquoi on est là, mais on doit faire le mieux possible pendant qu'on est là. C'est ça que je trouve passionnant. Das finde ich spannend. Et ça, c'est une aventure, et ça, c'est aussi une exploration. Also, das Leben selbst oder dann der Tod? Was genau ist das Abenteuer? Was meinen Sie jetzt genau? Mais tout. C'est-à-dire cette manière d'essayer de comprendre, d'essayer de se diriger dans la vie, d'essayer certaines choses, de rater, de réussir, d'entretenir des relations avec les autres, d'essayer d'acquérir des nouveaux outils, des nouvelles façons de vivre, des nouvelles ouvertures à l'inconnu. Tout ça, c'est extraordinaire. Mais si on vit... en étant coupé de tout mystère, en étant coupé de toute transcendance, en étant coupé de toute racine spirituelle, eh ben, il va se passer quoi? On va être angoissé par la vie, on va être angoissé par la mort, on va être déprimé par tout ce qui se passe, parce qu'on ne comprend peut-être pas que c'est un chemin d'évolution et que le but, c'est peut-être pas d'être riche et heureux. Sondern? Le but, c'est peut-être d'apprendre, évoluer, se développer et s'enrichir intérieurement de qualités spirituelles. Ich möchte das noch ganz kurz besser verstehen, bevor wir vielleicht auch auf eben diese spirituellen Qualitäten eingehen, die Sie jetzt gerade genannt haben.
Gab es denn oder gibt es denn in Ihnen das nicht diese Todesangst, wenn Sie solche Explorationen machen? Et vous savez, avec Solar Impulse, j'ai eu très peur. Ja. Mais j'ai eu très peur de pas voler. Nicht vor dem Tod, sondern dass Sie das nicht durchführen. Non, mais j'ai pas eu peur de voler. Quand j'étais en vol, c'était une expérience magique. Parce que on est sorti de sa zone de confort. Yeah. On vit en dehors de toutes les habitudes, de toutes les certitudes. Vous êtes en relation avec la nature, avec vous-même, et vous êtes obligé de faire juste. Yeah, genau. Vous êtes obligé d'avoir la précision, la concentration, la conscience, l'attention nécessaire pour faire juste. Dans la vie de tous les jours, ce n'est pas comme ça. Dans la vie de tous les jours, on est dans des habitudes, dans des certitudes, etc. Et c'est là, moi, que j'ai peur. Et j'avais très peur de toutes les réglementations, de tous les problèmes techniques, de tous les trucs de la vie de tous les jours qui auraient fait que je ne pouvais pas voler. C'était très compliqué d'avoir les permissions pour voler avec Solar Impulse. Et tous les matins, quand je devais voler, je me disais, pourvu que je puisse décoller, pourvu qu'il n'y ait pas un problème. Mais dès que la tour de contrôle me disait « Solar Impulse, you are cleared for takeoff », c'était la puissance à fond, décoller, voler sans bruit, sans pollution, sans carburant, jour et nuit. Quand vous traversez un océan, vous êtes plusieurs jours et plusieurs nuits tout seul dans votre cockpit. Genau. Mais ça, c'est extraordinaire parce que vous êtes en relation, vous êtes vraiment en relation avec vous-même, vous êtes vraiment en relation avec la nature, vous êtes vraiment en relation avec tout ce qui vous entoure. C'est des moments magique. Das dachte ich mir eben genau. Und dieses Magische, das Sie jetzt ansprechen, das würde ich noch besser verstehen wollen. Also man muss sich das vorstellen, man hat zuvor gesehen, eben wie Sie da alleine in diesem Cockpit sind und an einer Stelle und um Sie herum einfach die Welt, unter Ihnen vielleicht der Ozean, Sie fliegen vielleicht über den Ozean in der Nacht, eben nur über Solarenergie angetrieben. Macht das einen Menschen auch demütig? Wie würden Sie das genauer umschreiben? Il y a deux parties dans une aventure comme ça. Il y a la partie médiatique, où vous êtes dans votre cockpit, vous envoyez des photos, vous envoyez des films, vous donnez des interviews, ça fait les headlines de tous les médias du monde, et puis tout le monde dit « Waouh, c'est une aventure incroyable », etc. Mais ça, c'est seulement une partie. Puis là, vous passez votre message sur l'écologie, sur les solutions environnementales, sur les énergies renouvelables, les technologies propres, etc. Mais il y a l'autre partie qu'on ne voit pas. L'autre partie, c'est quand vous êtes tout seul dans le cockpit, au milieu de la nuit, à 2000 km de tout endroit où on peut venir vous aider, vous chercher, et puis vous vous sentez merveilleusement bien. Parce que vous êtes dans l'instant présent, vous ne vous dites pas « j'ai encore 2 jours de vol, 48 heures, et vous comptez les minutes et les secondes, puis vous avez peur de ne pas réussir ». Non, vous êtes dans le moment présent et vous vivez totalement ce moment de manière intense, de manière épanouissante, et vous trouvez à l'intérieur de vous la confiance pour continuer. C'est ça qui est magique dans l'aventure. C'est que dans l'aventure, vous êtes obligé d'aller chercher les solutions en vous. Da muss man ein gutes Selbstverhältnis haben. Oui. Mais c'est-à-dire que ce n'est pas que vous devez déjà bien vous sentir, c'est que quand vous êtes dans la magie de l'aventure, vous êtes obligé de vous sentir bien. Yeah. Vous êtes obligé d'aller chercher en vous toutes les qualités qu'il faut pour pouvoir continuer. Et comme vous trouvez tout ça à l'intérieur de vous, parce que vous êtes obligé d'aller le chercher, ben vous vivez l'aventure de manière épanouissante. Et vous savez, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas assez dans la vie. Dans la vie, quand il y a des crises, quand il y a des moments où on perd le contrôle, des moments où on n'a plus nos références, des moments où on croit que tout s'écroule, en fait, c'est des moments d'aventure. C'est exactement ça, l'aventure. L'aventure, c'est quand on perd tout ce sur quoi on peut s'accrocher, tout ce à quoi on peut s'accrocher. Et à ce moment-là, ou bien on refuse la situation, on dit « c'est horrible, je ne veux pas » et vous souffrez beaucoup, ou bien vous vous dites « ok, c'est un moment où je dois aller chercher à l'intérieur de moi des nouveaux outils, des nouvelles capacités, des nouvelles compétences, une nouvelle confiance. » Et quand vous trouvez ça, ben vous vous sentez beaucoup plus fort. Et souvent, ces crises, volontaires ou involontaires, les crises de la vie, elles sont involontaires, l'aventure, c'est une crise volontaire, ben, vous apprenez beaucoup de choses sur vous-même, et après, vous êtes beaucoup plus performant et beaucoup plus
épanouis. Sie schwärmen jetzt so stark von dieser Erfahrung. Das ist jetzt aber auch schon einen Moment her. Ich habe gesagt, von 2015 bis 2016, das letzte richtig große Projekt. Sehnen Sie sich zurück nach dieser Erfahrung, nach diesem Erlebnis, nach diesem Gefühl in Ihnen selbst? Vous savez, moi ce que je remarque depuis que j'ai fait ces grandes aventures, c'est que on peut transposer exactement les mêmes situations dans la vie de tous les jours. Nämlich, wie et je trouve ma vie beaucoup plus intéressante à vivre maintenant que j'ai vécu ces aventures aéronautiques. Mm-hmm. Parce que maintenant, je comprends que dans tous les aléas, dans toutes les turbulences de la vie, mm-hmm. c'est exactement le même état d'esprit qu'il faut mettre mm-hmm. en place. C'est accepter l'inconnu, accepter le changement, aller avec les situations plutôt que contre les situations. Mm-hmm. Parce que quand on se bat contre une situation, on perd beaucoup de force et on n'apprend pas grand-chose. Quand on va avec une situation, on apprend beaucoup de choses et on se développe et on évolue et on a plus de capacités, on a plus de compétences après ça. Ich finde das interessant, weil Sie haben in einer Interview mal gesagt, man sollte das Leben nicht in Sicherheit verschlafen. Die Frage ist natürlich, wen sprechen Sie damit an? Weil es gibt Menschen, die genau diese Sicherheit brauchen und damit ein gutes Leben führen. Also wem sagen Sie das, man sollte das Leben nicht in Sicherheit verschlafen? Mais vous savez, la vie, c'est quelque chose de très dangereux. C'est ça qu'on oublie. Mm-hmm. La vie, c'est beaucoup plus dangereux qu'un tour du monde en ballon ou un tour du monde en avion solaire. Naja, man kann das Risiko einfach hinausfordern. Mais la vie, c'est plein... Mais en avion solaire et en ballon aussi, vous avez une certification des autorités aéronautiques, vous avez un parachute, vous avez un entraînement, vous êtes très bien préparé pour partir. Mais dans la vie, on n'est pas préparé du tout. Mm-hmm. On arrive comme enfant, il y a des maladies, il y a des accidents, il y a des divorces, il y a les gens de la famille qui peuvent mourir, les parents qui vont toujours mourir. Yeah. On a des problèmes dans des tas de situations et c'est dangereux. La vie, elle est incertaine, elle est imprévisible. Il y a des crises, il y a des pandémies, il y a des problèmes. Tout ça, on considère que ce n'est pas normal. Parce qu'on croit que la vie, ça doit être facile, etc. Moi, je pense qu'il faut se préparer, au contraire, à tous les aléas et toutes les turbulences de la vie en développant nos compétences, en développant notre capacité de s'adapter, en développant notre réponse face à la vie, face aux autres, etc. Donc, c'est un apprentissage permanent qu'on ne nous enseigne pas à l'école. On ne nous apprend pas à être des explorateurs, à être des pionniers. On nous apprend à répéter les mêmes choses. Genau. On apprend à aller tout droit. On n'apprend pas les doutes et les points d'interrogation. On apprend les certitudes. On nous dit qu'il faut croire seulement ce qu'on connaît, ce qui est scientifiquement prouvé, ce que tout le monde accepte. Non, ce n'est pas vrai. Moi, je n'ai jamais été comme ça, comme enfant. Moi, j'ai rencontré des gens qui allaient sur la Lune. Je n'allais pas croire bêtement tout ce qu'on me disait qui était impossible à l'école. Je disais, mais non, c'est peut-être pas impossible, peut-être qu'on ne connaît pas, peut-être qu'on ne sait pas, mais peut-être que ça existe quand même. Donc j'ai eu toujours cette manière très hérétique de répondre aux certitudes, de ne pas croire forcément ce qu'on me disait, et en tout cas de jamais croire la manière qu'on me demandait de croire. Da hatten Sie natürlich extrem gute Startbedingungen auch als Kind schon, eben, dass Sie solche Menschen kennenlernten und eigentlich das Außergewöhnliche für das Gewöhnliche halten konnten und selber an sich glauben und so selber an sich glauben konnten, oder? Mais j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont permis de tout remettre en question, mm-hmm. de poser des questions, de refuser les certitudes, de refuser les conventions, de dire c'est pas parce que tout le monde pense comme ça que moi je dois penser comme ça. Mm-hmm. Et j'ai toujours été fasciné dans l'histoire par les gens qui cassaient les dogmes. Vous avez Amenophis IV, Akhenaton, mm-hmm. le pharaon égyptien qui était le premier pharaon monothéiste, yeah. qui a cassé les cultes de Amon et de tous les autres mm-hmm. dieux pour mettre un culte monothéiste. Ça a fait une révolution en Égypte. C'est extraordinaire. Vous avez un empereur... Au XIIe siècle, Frédéric II de Hohenstaufen, mm-hmm.
qui allait discuter avec les sultans musulmans sur la physique, sur l'astronomie, sur la cosmologie. Il a été excommunié par le Vatican, par le pape Grégoire, parce qu'il parlait avec les musulmans. Mais c'est extraordinaire comme liberté, c'est-à-dire se donner la liberté de penser autrement. Et moi, je lisais toutes ces histoires et je me disais, voilà des gens qui ont eu le courage de casser les dogmes, de casser les certitudes et de se dire, il y a d'autres manières de faire. Also, das, Sie haben diese Geschichten schon als Kind gelesen, oder wie muss ich mir das vorstellen? Haben Sie als Kind, Ihnen wurden nicht Märchen vorgelesen, sondern Ihnen wurden Geschichten von Heldinnen und Entdeckerinnen vorgelesen, oder wie muss ich mir das vorstellen? Bon, moi, on m'a raconté toutes les histoires d'exploration, de tout ce qui s'est passé dans le monde, de tous ces gens qui ont fait ce qu'on pensait être impossible. Mm-hmm. Il faut quand même pas oublier qu'en 1903, quand les frères Wright ont fait leur premier vol avec un avion, il y avait encore des scientifiques qui expliquaient que c'était impossible de voler si on était plus lourd que l'air. Et moi, j'ai adoré cette phrase qui disait « Ceux qui disent que c'est impossible ne doivent pas déranger ceux qui sont en train de le faire. Yeah. » Lassen Sie mich noch ganz kurz auf diese Sicherheitsfrage zurückgehen, weil es ist ja auch immer die Frage, wofür genau gibt man diese Sicherheit, die vermeintliche Sicherheit? Sie haben ja zuvor gesagt, eigentlich das Leben an sich schon sozusagen gefährlich. Wofür gibt man diese Sicherheit des alltäglichen Lebens auf? Und der österreichische Basejumper Felix Baumgartner, der sprang mit seinem Fallschirm 2012 aus der Stratosphäre. Das heißt 1300 Kilometer pro Stunde. Schauen wir uns ganz kurz an, wie das ausgeschaut hat. Fast 40 Kilometer Höhe, so weit rauf, hatte sich noch nie ein Mensch mit einem Ballon gewagt und noch nie war jemand von weiter oben mit einem Fallschirm abgesprungen. Und dann diese Geschwindigkeit beim freien Fall, Überschall, Weltrekord und vor allem auch eins, lebensgefährlich. Bilder aufgenommen durch Baumgartners Helmkamera, kurz vor dem heikelsten Moment. Baumgartner gerät im freien Fall vorübergehend ins Trudeln. Beinahe verliert er das Bewusstsein. Nur sein Atem ist durch den Funk zu hören. Bangen bei Baumgartners Familie, bis der 43-Jährige sich stabilisieren kann und seinen Fallschirm zieht. Die sichere Landung auf der Erde löst bei Mutter, Bruder und Freundin Erleichterung und Freude aus. Auch Joe Kittinger, seine Mentoren und dem Team im Kontrollraum ist die Freude über die gelungene Mission anzusehen. Nach medizinischen Tests tritt Baumgartner vor die Medien und beschreibt seine Gefühle unmittelbar vor dem Sprung. Als ich dort oben stand, hoch über der Erde, fühlte ich mich so demütig. Da denkt man nicht mehr daran, Weltrekorde zu brechen. Das Einzige, was man da noch will, ist, lebendig zurück auf die Erde zu kommen. Man will ja nicht vor seinen Eltern, seiner Freundin und all diesen Leuten, die das sehen, sterben. Ja, ist es das auch, ein solches Risiko einzugehen, solche Rekorde aufzustellen, das Sie auch interessiert? Oder ist das weniger interessant für Sie? Mais je connais bien Félix Baumgartner. Mm-hmm. C'est un ami. Et quand on discute ensemble, on n'a pas besoin de s'expliquer pourquoi on fait ce qu'on fait. On se comprend. Mais vous savez, ce n'est pas une question de se mettre en danger. Ce n'est pas une question d'aimer le risque ou l'incertitude. C'est une question d'aimer la liberté de faire et de penser autrement. Et Félix Baumgartner, il était claustrophobe dans sa combinaison spatiale. Il a dû se faire soigner par un psychologue pour supporter d'être enfermé avec un casque dans une combinaison pressurisée. Moi, quand j'avais 16 ans, j'avais peur de monter dans un arbre. Mais c'était humiliant d'avoir peur de monter dans un arbre. Moi, j'avais tous mes copains qui montaient, qui allaient cueillir les cerises, etc. Puis moi, je mettais une corde pour m'accrocher à l'arbre pour ne pas tomber. Mais la recherche de la sécurité, finalement, c'est une paralysie, c'est une limitation. Et pour me guérir, j'ai commencé à faire de l'aile delta, Trarenflug. J'ai commencé à faire du vol acrobatique en aile delta. Et ce que j'ai compris, c'est que quand on est confronté à un certain risque, on est obligé d'être conscient, d'être concentré, d'être performant. C'est-à-dire qu'on est obligé de faire juste. Dans notre vie de tous les jours, avec toutes nos certitudes et toutes nos habitudes, toute la routine, on n'est pas obligé de faire juste. On a des garde-fous partout.
Donc en fait, on vit jamais au maximum de ses performances. Alors que quand vous êtes dans une situation dangereuse, c'est pas le risque qui est agréable. C'est cette sensation que vous êtes en possession de vos moyens et que vous arrivez à faire juste. Quand Félix Baumgartner est parti en vrille pendant sa chute libre, ben il a réussi à se stabiliser. Mais ce n'est pas de la chance, c'est simplement qu'il était préparé pour ça, c'est simplement qu'il était en pleine possession de ses moyens. Quand j'ai eu mon aile delta une fois qui a explosé en vol pendant un looping et que j'ai dû tirer le parachute de secours, c'est des choses que j'avais visualisées, que j'avais préparées dans ma tête. Je me dis, si ça ne va pas, voilà les mouvements que je dois faire. Donc en fait, ni lui, ni moi, ni les autres explorateurs, nous sommes des trompe-la-mort. Non, on n'est pas des trompe-la-mort. It's not daredevils, it's explorers. C'est complètement autre chose. Aber trotzdem gibt es jetzt sozusagen auch bei Ihnen eine Familie im Hintergrund. Und egal, wie stark man sich vorbereitet und so weiter, wie stark man eben diese Freiheit sucht, es gibt Menschen, die, je nachdem, wie das rauskommt, mit den Konsequenzen leben müssen. Sie sind mit Ihrer Frau schon zusammen, seit Sie, glaube ich, 19 Jahre sind, die Frau 17, Sie 19, als Sie zusammengekommen sind. Das ist ja irgendwie ein unheimliches Glück, einen Menschen zu finden, der genau das versteht, was in Ihnen so der innerste Drang ist. Vous savez, on ne fait pas une vie d'explorateur malgré sa famille. Sondern on fait une vie d'explorateur grâce à sa famille, avec sa famille. Wie unterstützt Sie denn Ihre Familie? Je vous donne un exemple. Quand j'ai reçu l'autorisation météorologique de traverser la deuxième partie du Pacifique avec Solar Impulse, j'ai envoyé un WhatsApp à mes filles qui étaient en Europe et je leur ai dit « Demain, je décolle, les conditions sont bonnes. » Et je me suis dit « Qu'est-ce qu'elles vont répondre ?»« Papa, fais attention. Non, c'est dangereux. » Non. Vous savez ce qu'elles m'ont répondu ? Elles m'ont répondu « Pioneering spirit for life. » L'esprit pionnier pour la vie. Et c'est elles qui ont trouvé ce slogan pour notre famille. Et elles sont intéressées pas à faire des tours du monde avec des engins spéciaux. Elles sont intéressées à être pionnières dans leur vie, dans leur métier, dans leur manière de penser, dans leur sport, dans leurs relations, et d'être aussi hérétiques, c'est-à-dire de ne pas suivre seulement la routine et le quotidien qui est une prison. Donc c'est ça qu'on vit en famille. Das leben Sie in der Familie? Ich habe mich dann gefragt, jemand, der eben so in die Höhe strebt, sozusagen, braucht er einen Menschen an seiner Seite oder Menschen an seiner Seite, wie sie jetzt gerade auch gesagt hat, man macht es nicht sozusagen trotz der Familie, sondern mit der Familie. Eben unterstützt sie ihre Frau zum Beispiel, indem sie eben sehr verwurzelt ist? Wie muss man sich ihre Frau vorstellen, dass sie das so mitträgt? En fait, nous nous sommes apportés beaucoup. Elle m'a apporté la terre, moi je lui ai apporté le ciel. Ce qui fait que je l'ai ouverte à une certaine dimension à laquelle elle n'avait pas forcément accès. Et elle m'a ancré dans la réalité, dans une préparation raisonnable, justement pour réussir ce que je faisais. Et tout ce que j'ai réussi, c'est nous qui l'avons réussi. Ce n'est pas moi tout seul. Et Michelle, ma femme, elle était dans l'équipe. Elle travaillait dans l'équipe, elle était avec moi tout le temps. Et quand je pouvais enfin décoller, mais c'était une libération aussi pour elle. Parce qu'elle savait que le projet continuait, que l'exploration continuait, qu'on se rapprochait du succès. Et tout ça, on le vivait à deux. Et en fait, c'est pas du tout une attitude égoïste où je suis tout seul à faire quelque chose et à profiter de quelque chose. C'est toute la famille. C'est toute l'équipe. Die das mitträgt. Et puis c'est tous les gens autour. Quand j'ai réussi le tour du monde en ballon, les gens dans le public m'écrivaient, pas pour me dire « je vous félicite d'avoir réussi », mais pour dire « merci de partager votre rêve ». Merci de montrer que quand on a un rêve, on peut réussir. Et quand j'ai raté avec Breitling Orbiter 1, Breitling Orbiter 2, qu'est-ce qui a plus aux gens? Qu'est-ce qui les a rassurés? C'est que je continuais à essayer. Parce que
Il y a beaucoup de situations dans lesquelles on rate et puis tout le monde vous laisse tomber. Ben non, quand vous avez un sponsor comme Breitling qui vous soutient avec un deuxième ballon, qui vous soutient avec un troisième ballon, vous donnez un exemple de fidélité, vous donnez un exemple de persévérance et de montrer que les choses, elles ne sont pas faciles, mais que peut-être qu'à force d'essayer chaque fois d'une autre manière, de changer de stratégie, de changer de manière de faire, eh ben à la fin, vous pouvez réussir. Et c'est un exemple aussi. Et donc, ce n'est pas du tout quelque chose d'égoïste, c'est quelque chose qu'on vit sur, avec un grand groupe de gens. Et moi, c'est ça aussi qui me plaît. Ich finde etwas daran ganz spannend. Sie sprechen jetzt sozusagen vom Scheitern und dann machen Sie aber trotzdem weiter. Man hat Vertrauen in Sie und Sie kriegen von außen sozusagen auch die Bestätigung. Aber es gibt ja auch immer Menschen, die sich freuen darüber, dass solche Menschen, die groß denken, die große Ziele haben, scheitern und dann kommen und sagen, ich habe es doch immer gesagt, dass das nicht möglich war. Wie geht man damit um, dass es immer auch Menschen gibt, die missgünstig sind gegenüber dem eigenen Tun? Ah oui, alors vous avez ceux qui sont rassurés dans leur médiocrité de voir des gens qui ratent. Parce qu'ils se disent, ah ben, je suis médiocre, j'essaye rien, mais j'ai raison. Parce que ceux qui essayent ratent. Donc ça les rassure. Et moi, j'ai vraiment remarqué, à travers tous mes échecs, à quel point vous avez une catégorie de gens qui se discréditent tout seuls à critiquer les autres. Moi, quand je vois quelqu'un qui rate, ça me fait de la peine. Même mes concurrents, Richard Branson, Steve Fossett, quand eux rataient, ou quand moi je ratais, on se téléphonait, on se disait « je suis désolé pour toi », et puis on s'encourageait à recontinuer. Yeah. Moi, je trouve extraordinaire de voir des gens qui essayent, mais même des choses qui ne m'intéressent pas. Moi, il y a des tas de domaines que je ne connais absolument pas, dans le domaine de l'art, dans le domaine de la danse, dans le domaine de certains sports, je ne connais pas. Mais quand je vois des gens qui essayent quelque chose de nouveau, je trouve ça extraordinaire. C'est des exemples, c'est des gens qu'il faut soutenir. À quoi ça sert de rire quand quelqu'un rate, à part à se rassurer soi-même? C'est pitoyable de se moquer des autres. Pitoyable. Sie haben das ja nicht gestohlen, sozusagen auch diese Haltung und diese Überzeugung, die man jetzt rausspürt. Sie sind 1958 in Lausanne in eine berühmte, weltberühmte Entdeckerfamilie geboren. Ihr Großvater, Ihr Vater waren beides bekannte Entdecker. Wir schauen uns ganz kurz an, was die so gemacht haben. Sie haben es zuvor auch schon angedeutet. Familie Picard ist eine Forscher- und Tüftlerfamilie schon seit Generationen. Gerade nach dem Zweiten Weltkrieg konstruiert der Auguste Picard sein Unterseeboot Batiscafe. 1953 tauchen Vater und Grossvater Picard mit dem neuen Unterseeboot Trieste vor der Insel Ponza im Mittelmeer auf 3150 Meter ab. Die US-Marine kauft am Picard Trieste nach dem Erfolg ab für ein waghalsiges Projekt. Die Amerikaner wollen den tiefsten Punkt der Weltmeer erforschen. Der Jacques Picard kommt in 5 Stunden auf 11'000 Meter runter, ein neuer Tiefenrekord. Dafür kommt der Jacques Picard vom US-Präsident Eisenhower einen Orden über. Aber das Picard zieht nicht nur in die Tiefe, sondern auch in die Höhe. Der Auguste Picard ist der Erfinder der Druckkabine und fliegt 1932 auf 16'000 Meter rauf. So hoch ist vorher noch niemand geflogen. Wir haben es gerade gesehen. Unglaubliche Entdecker, Pioniere, setzt einem ein solches Familienerbe nicht auch unheimlich unter Druck, dass man selber erfolgreich sein muss, sich selber auf diese Art betätigen? Moi, j'ai jamais eu une pression familiale. Mon père m'a toujours dit, tu fais ce que tu veux, pourvu que tu le fasses bien. Ja eben, aber das ist ja schon ein Druck. Da darf man ja quasi nicht scheitern, wenn man es gut machen soll. Non, je pense qu'on a envie que les enfants fassent bien ce qu'ils font, pas juste superficiellement ou n'importe comment. Mais c'est intéressant parce qu'on montre mon grand-père, on montre mon père, vous me parlez de toute cette paternité, mais j'avais une mère. Darüber will ich noch sprechen, über sie. Et je pense que je n'aurais jamais réussi ce que j'ai fait si je n'avais pas ma mère qui m'a montré l'autre côté, c'est-à-dire pas seulement le côté technologique, comme mon père et mon grand-père, mais tout le côté de l'exploration spirituelle. Quand j'avais 6 ans,
je parlais avec ma mère de la vie, de la mort, de Dieu, de la spiritualité, de la religion. Et pour moi, c'était fondamental de voir qu'il y avait tout ce côté-là à découvrir. Et parfois, elle me disait « je ne sais pas yeah. ». Et c'est extraordinaire quand vous avez des parents qui vous disent « je ne sais pas », parce que ça veut dire qu'il y a encore des choses à découvrir. Et ça veut dire, bah, tu vois, toi, peut-être dans ta vie, tu pourras aller un peu plus loin, comprendre un peu plus, découvrir un peu plus. Et pendant longtemps, je me suis demandé, mais je dois faire quoi? Je dois faire la vie comme mon père et mon grand-père, ou je dois faire la vie comme ma mère? Et en fait, j'ai fait un mélange des deux. Je suis devenu psychiatre parce que j'avais envie d'explorer tout le côté humain. Qu'est-ce qui fait que les gens réussissent ou ratent? Qu'est-ce qui fait que les gens sont épanouis ou déprimés? Mais j'ai aussi envie de le faire avec une vision d'explorateur, comme mon père et mon grand-père. Donc j'ai combiné ces deux côtés. Et en fait, si vous remarquez, je parle beaucoup plus d'émotions et d'expériences vécues à travers mes explorations et mes aventures que de technologie. Erzählen Sie mir ein bisschen von Ihrer Mutter. Sie war Pfarrerstochter. Was hat sie genau gemacht? Weil ich habe mich gefragt, wie kriegt man es hin, dass ein Kind so stark an die eigenen Träume glaubt und dann auch die Ausdauer hat, sie so durchzuziehen? Was muss man machen in der Erziehung? Hier sieht man noch Ihre Familie auf dem Bild, Vater, Mutter und Sie. Sie sind, glaube ich, der älteste Sohn, oder? Oui, je suis le plus âgé. Là, sur la photo, j'ai 11 ans. C'était pendant que nous vivions en Floride, toute la famille. Mon père avait construit un sous-marin pour une société américaine. Et il a exploré le Gulf Stream en plongeant pendant un mois. Et c'est le moment où il y avait les lancements de fusées Apollo, où j'étais invité à la NASA pour rencontrer les astronautes, pour voir les fusées décoller pour la Lune. Donc c'est vrai que c'était une période extrêmement marquante. In ihrem Leben, genau. Et je pense que ce qu'il faut pour les enfants, dans l'éducation, c'est considérer que les enfants sont capables de tout comprendre, sont capables, en fait, de s'ouvrir au monde des adultes beaucoup plus tôt que ce qu'on croit. Quand on voit des enfants pleurer, parce qu'on croit qu'ils ne comprennent rien. Mais ce n'est pas vrai. Les enfants, ils comprennent. Ils comprennent beaucoup plus que ce qu'on croit. Ils ressentent. Et si vous valorisez un enfant, que vous lui donnez une responsabilité, que vous lui faites confiance, que vous l'écoutez, que vous lui laissez poser des questions, que vous ne lui répondez pas « Oh, t'es trop jeune », que vous ne lui répondez pas « Ça, tu ne peux pas comprendre », que vous lui répondez also pas, arrête de poser tout le temps des questions. Yeah. Il faut prendre les enfants au sérieux, il faut leur donner une responsabilité, il faut les considérer comme une évolution vers l'âge adulte. Et moi, c'est ça que j'ai reçu. Et peut-être que c'est là que j'ai eu le plus de chance dans ma vie. C'est que j'ai des parents qui m'ont fait confiance et qui m'ont considéré comme quelqu'un qui pouvait comprendre tout ce qui se passait. Erziehen Sie so, oder haben Sie so auch Ihre Töchter erzogen? Sie haben 3 Töchter. Ah, complètement. Yeah. Ah, mais complètement. Quand mes enfants avaient quelques jours, quelques semaines, je leur expliquais qu'elles étaient venues sur Terre, que je ne savais pas très bien d'où elles venaient, mais que peut-être qu'elles le savaient, qu'elles sont là pour faire leur vie, qu'on a une vie de famille, qu'on a des choses à apprendre, des choses à découvrir. Mais vous devez voir les bébés comme ils vous écoutent quand vous dites tout ça. Alors, il y a sûrement des gens qui vont se dire « il est complètement fou celui-là ». Mais ce que je peux vous dire, c'est que quand vous avez cette attitude-là avec des enfants s'ouvrent, s'épanouissent, cherchent à comprendre, évoluent, entrent en relation et ils ont beaucoup moins peur de la vie après. Ils ont beaucoup moins peur de Und trotzdem sind sie nicht Astronautinnen geworden, zum Beispiel ihre Töchter. Non, elles ne sont pas devenues astronautes, mais elles avaient d'autres choses. Moi non plus, je ne suis pas devenu astronaute. Non, non, genau. Mais vous savez, il y a déjà 650 personnes qui ont été dans l'espace. Moi, j'avais envie de faire quelque chose que personne n'avait fait. Et vous savez pourquoi? Ce n'est pas de l'ego. Ce n'est pas que vous voulez vous valoriser en faisant quelque chose qui est unique. C'est qu'en fait, quand vous faites quelque chose qui n'a jamais été fait, vous n'avez aucun benchmark, vous n'avez aucune référence. Il n'y a personne qui peut vous expliquer. Donc, vous travaillez avec une équipe qui doit répondre à des questions sans réponse, qui doivent trouver des solutions à des problèmes qui n'ont jamais trouvé de solution. Et vous êtes obligé d'être créatif, innovant, vous êtes obligé d'être disruptif. Vous devez apprendre à penser et à faire autrement
que ce que vous avez toujours fait précédemment. Et c'est ça qui est passionnant. Quand vous êtes devant un truc et vous vous dites, mais je ne sais pas comment faire. Et avec toute l'équipe, vous trouvez la solution pour le faire. C'est ça qui est, moi, c'est ça qui m'attire le plus. Et quand tout à coup, vous réussissez, vous dites, ah ben, j'ai apporté quelque chose de nouveau. Mmh. Was ich ganz interessant finde da, Sie haben eben Medizin studiert, sind dann Psychiater geworden und Ihre Doktorarbeit, wenn ich richtig informiert bin, haben Sie über die Pädagogik des Schicksalsschlags geschrieben. Also in einem Schicksalsschlag hat es ja auch immer so etwas Disruptives, wie Sie jetzt gerade gesagt haben. Muss denn jedes Scheitern im Leben eigentlich immer auch mit von einem Lernen gefolgt sein? Oder kann es auch einfach sein, dass man einfach mal scheitert und einsieht, hier endet jetzt etwas? Vous savez, dans toute ma carrière de médecin, j'ai aussi été complètement hérétique. Mm-hmm. Quand les professeurs disaient l'acupuncture et la médecine traditionnelle chinoise, ça marche pas, c'est du charlatanisme. Yeah. Je me suis dit, ok, ben, je vais essayer. Et j'ai fait une formation d'acupuncture. Je n'ai pas pratiqué, mais j'ai quand même été étudier ça. Ensuite, j'ai essayé d'autres soi-disant médecines parallèles qui ne marchent pas. Et puis, j'ai vu que c'est toute une philosophie, c'est toute une spiritualité. Et ça marche. On m'a dit, l'hypnose, c'est du charlatanisme. D'ailleurs, Freud n'aimait pas l'hypnose. Mm-hmm. Je dis, ok, je vais essayer l'hypnose, puisqu'on me dit que ça ne marche pas. Ben, c'était extraordinaire, c'était une découverte fantastique. Et je suis devenu hypnothérapeute parce que j'ai vu que j'arrivais à beaucoup plus de résultats avec l'hypnose qu'avec d'autres formes de thérapie. Et puis, vous parlez de la pédagogie de l'épreuve, c'est exactement la même chose. Comment est-ce que vous pouvez retourner la situation autrement? Vous avez des gens qui ont des souffrances terribles, des drames énorme dans leur vie. Est-ce que c'est seulement négatif? Vous devez vous asseoir et pleurer parce que la vie est horrible? Mmh. Ou est-ce que vous pouvez leur demander ce qu'ils ont appris avec ça? Et est-ce qu'ils ont trouvé plus de force qu'avant ou pas? C'est-à-dire, vous inversez la question. Au lieu de voir le désastre, vous regardez ce qu'on peut peut-être en apprendre. Et j'ai fait ma thèse de médecine là-dessus. Et tous les patients que j'étudiais, sauf une personne, m'a dit qu'elle se sentait plus forte après l'épreuve, après le drame qu'avant. Und was ist mit dieser einen plus Person? Forte que, plus forte sur le plan relationnel, sur le plan de la confiance dans la vie, sur le plan spirituel. C'est-à-dire, en fait, ça les a ouverts à un autre plan que ce qu'ils avaient jusque-là dans leur vie. Sie haben jetzt eine Person, alle außer eine Person, oder? Gesagt. Was ist denn mit der einen Person gewesen? Oui. C'est une mère qui avait perdu son enfant. Mm-hmm. Et qui n'a... Et je pense que ça, c'est la pire des choses. Yeah. Et là, ce n'est pas une question de ce qu'on peut en apprendre. Je pense que c'est une question d'apprendre à accepter. Et les grands deuils dans la vie se font très mal si on refuse. Yeah. Et accepter une situation terrible, c'est une décision. Ce n'est pas du fatalisme. Hein. Ce n'est pas « ah oui, j'accepte, je m'en fous ». Ce n'est pas du tout ça. C'est « je souffre, c'est horrible, je ne sais pas pourquoi ça arrive, mais j'accepte parce que je ne peux pas faire autrement qu'accepter ». C'est comme le pardon. Le pardon, ce n'est pas quelque chose qu'on donne aux autres, c'est quelque chose qu'on donne à soi-même pour se libérer des autres. Mmh. Et on voit que très souvent, on bute contre des obstacles et il faut inverser la situation. Il faut voir comment on peut aller avec la situation et pas contre la situation. Mmh. Ça, c'est ce qu'on apprend avec le ballon. Avec le ballon, vous allez avec le vent. Vous allez avec le vent, vous ne pouvez pas aller contre le vent. Vous allez avec le vent, mais vous n'êtes pas fataliste. Parce que vous changez d'altitude pour trouver d'autres directions de vent, parce que l'atmosphère vous donne des directions très différentes à chaque différente altitude. Donc vous allez lâcher du lest pour être plus léger, puis vous allez monter, puis vous allez regarder à cette altitude, je vais là, cette altitude, je vais ici, et vous pouvez vous diriger. Et dans la vie, je pense à la même chose. On a du lest, c'est les certitudes, c'est les résistances, c'est les habitudes, la routine, les dogmes. Tout ça, toutes ces croyances, c'est extrêmement lourd. Ça nous empêche de changer d'altitude, ça nous empêche de changer notre manière de penser. Quand vous jetez ça par-dessus bord, que vous êtes d'accord d'abandonner des certitudes, eh bien vous trouvez d'autres influences, d'autres visions du monde qui vont vous diriger
sur des trajectoires complètement différentes dans votre vie. Aber Herr Picker, haben Sie selber denn nie Angst vor dem Unbekannten? Ce que j'ai remarqué, c'est que la peur de l'inconnu vous paralyse. Mm-hmm. Alors, d'un certain côté, je ne peux pas dire que je m'en fous complètement de l'avenir, qu'on verra bien, etc. Mm-hmm. Non, mais j'ai appris qu'avoir peur de l'inconnu ne sert à rien parce que ça nous paralyse et que ce qu'il faut faire, c'est utiliser l'inconnu pour augmenter notre conscience. Accepter les doutes, accepter les points d'interrogation, accepter ce qu'on ne comprend pas, accepter ce qu'on ne contrôle pas et qu'on peut remplacer la peur par la confiance. Mm-hmm. Weil für mich hängt das auch so ein bisschen, im Vorfeld habe ich mir Gedanken dazu gemacht über die Geisteshaltung eines Entdeckers. Und da geht es ja eben genau darum, Dinge zu entdecken, die eben noch niemand davor entdeckt hat, an Orte zu gehen, wo noch niemand davor war. Aber jetzt, was Sie jetzt gerade zeichnen, ist doch auch eben, es gibt einen Reiz an diesem Mysterium, an dem, dass gewisse Dinge auch einfach unbekannt und mysteriös bleiben sollen vielleicht im Leben und können. Non, il n'y a pas besoin de tout découvrir. Mm-hmm. Mais il faut être ouvert au mystère à ce moment-là. Yeah. Il ne faut pas refuser le mystère. Et dans la religion, il y a quand même beaucoup de choses, et dans la politique et dans la philosophie, qui empêchent de s'ouvrir au mystère. Et alors on rejette les autres, on rejette ce qu'on ne comprend pas, on rejette ceux qui pensent différemment. Et je pense qu'aujourd'hui, dans notre monde, c'est un des plus gros problèmes. C'est le clivage entre des gens qui pensent d'une certaine façon et les gens qui pensent d'une autre façon. Mmh. Alors, vous avez toutes les guerres de religion à cause de ça. Vous avez les conflits politiques. Vous avez ceux qui sont sûrs qu'il faut penser comme ça et ceux qui sont sûrs de penser autrement. Et il n'y a aucun respect entre les adversaires politiques. Il n'y a aucun respect entre ceux qui pensent autrement. Vous avez toutes ces questions de fake news qui reviennent avec les réseaux sociaux où finalement, on donne aux gens des informations qu'ils sont prêts à croire, et puis on donne à d'autres gens d'autres informations qu'ils sont prêts à croire, et on est en train de diviser la société, on est en train de rendre les gens agressifs, on est en train de rendre les gens violents, et c'est exactement la même chose, c'est qu'on n'encourage pas les gens à s'ouvrir au mystère de l'autre, mmh, à d'autres manières de penser. Et si on veut avoir une qualité de vie qui soit suffisamment bonne, on doit intégrer les gens qui pensent autrement. On doit intégrer les différentes religions. On doit intégrer ce respect pour des visions du monde qui sont différentes. Ce n'est pas parce qu'on est de gauche ou qu'on est de droite en politique qu'on doit se détester. Parce qu'on a besoin de la gauche et on a besoin de la droite. Un gouvernement entièrement de gauche ou un gouvernement entièrement de droite, ça ne marche pas. On a déjà vu ce que donnent les régimes communistes et les régimes fascistes. Par contre, quand vous avez l'influence de la gauche pour avoir de la solidarité et du respect pour les plus pauvres, l'influence de la droite pour avoir de la responsabilité individuelle, de l'entrepreneuriat, etc., eh bien, vous avez une société qui marche. Et dans notre monde, je pense que la principale chose qu'on devrait arriver à changer, c'est de mettre plus de respect pour ceux qui pensent autrement, plus de collaboration, plus de synergie entre les différentes influences et les différentes visions du monde. Mhm. Wenn wir aber noch mal zurück zu diesem Entdeckergeist gehen, das, was Sie jetzt gerade beschrieben haben, auch eine Entscheidung, anders zu denken, manchmal kommt es ja gar nicht auf eine Entscheidung, anders zu denken an, sondern zum Beispiel, eben wenn es um Entdecken geht, einfach auf einen glücklichen Zufall kommt es an. Denken wir zum Beispiel an die Entdeckung von LSD. Es gibt diverse Entdeckungen, die einfach durch glückliche Zufälle entstanden, nicht dadurch, dass man jetzt bahnbrechende Gedanken hatte. Gibt es in Ihrem im Leben auch solche glücklichen Zufälle, die für Sie alles verändert haben? Oui, oui, complètement. Il y a des situations qui ont complètement changé ma vie. Mm-hmm. Mais c'est aussi parce que j'ai accepté de les saisir. Mm-hmm. Quand j'étais pilote d'El Delta et que je me suis assis dans un banquet à Châteaudet avec 399 personnes qui étaient des pilotes de ballon, et j'ai pris la dernière chaise parce que j'étais en retard. Mm-hmm. Le pilote de ballon à la table m'a dit « Je cherche un copilote pour traverser l'Atlantique en ballon. » J'aurais pu dire « Non, moi je suis pilote de Delta, je ne suis pas pilote de ballon. » Je lui ai dit « Écoute, je ne suis pas pilote de ballon, mais je suis psychiatre et je peux peut-être t'aider
avec l'hypnose pour gérer le sommeil, le stress, la vie à bord, etc. Et m'a dit, ah ben, c'est une bonne idée, on va faire ça ensemble. Mm-hmm. Alors, c'est une coïncidence ou pas? Oui, il y a une part de coïncidence. Mais il y a des coïncidences tout le temps dans la vie, tout le temps. Il y a des invitations à faire des choses, il y a des rencontres, etc. Et c'est vous qui allez décider, je vais suivre ça ou je ne vais pas suivre ça. Je suis invité par vous pour cette émission. Je peux dire oui, je peux dire non. Donc en fait, la vie est pleine de hasard, pleine de coïncidences ou de synchronicité ou de prédestination, je ne sais pas. Mais à nous de dire, j'accepte ou je refuse. Ja, je prends ou je prends pas. Aber das ist jetzt der spannende Punkt, oder? Wie trifft man diese Entscheidung? Wie trifft man die gute Entscheidung? Wie weiß man, in dem Moment muss ich ja sagen oder nein? Moi, j'ai toujours eu dans ma tête ou dans mon cœur une boussole qui montrait pas le nord, mais qui montrait l'inconnu, qui montrait ce qui n'avait jamais été fait, qui montrait l'exploration, qui montrait le mystère. Et chaque fois qu'il y avait quelque chose de complètement nouveau, je me disais, j'essaye. Je crois que la seule chose que je n'ai pas essayé, c'est la drogue, parce que je me suis dit qu'il n'y avait pas d'avantage à faire ça, pas d'intérêt. Mais sinon, j'essayais des trucs, et puis je me disais, ça me plaît, ça ne me plaît pas. Je continue, je ne continue pas. Et de cette manière-là, j'ai toujours eu plutôt l'habitude de répondre oui au choix de la vie que non. Yeah. Mais j'aimerais vraiment préciser quelque chose avant que l'émission soit finie. Parce que je pense que c'est vraiment important. L'exploration, la prise de risque, ce n'est pas seulement dans ce qu'on fait de spectaculaire. C'est dans tous les moments de la vie. Et les gens qui nous écoutent, il ne faut pas qu'ils croient « Ah, moi, je n'ai pas fait le tour du monde, alors je ne suis pas un explorateur ou un aventurier. » Pas du tout, absolument pas. On a des choix dans notre vie, à chaque moment, sur le métier qu'on veut faire, le métier qu'on veut quitter, le mariage, le divorce, avoir des enfants, ne pas avoir d'enfants, déménager, rester où on est, devenir se présenter sur la liste d'un parti politique ou non, changer de métier, déménager à l'étranger. Mais tout ça, c'est exactement le même état d'esprit que de décider de faire un tour du monde en ballon ou en avion solaire. C'est simplement accepter l'idée qu'on peut faire autrement. Que sa vie peut changer d'une manière positive si on fait autre chose que ce qu'on a toujours fait. Donc en fait, l'exploration, c'est casser la routine, casser les certitudes, casser les habitudes pour se dire, se laisser la liberté de choisir autre chose. Et puis si cette autre chose ne nous plaît pas, eh ben, on revient à ce qu'on était avant. Mais au moins, on sait pourquoi on fait ce qu'on fait. C'est qu'on a essayé le reste, puis le reste peut nous plaire ou peut ne pas nous plaire. Es ist spannend, dass Sie das sagen, weil ich habe mich gefragt, ich habe gelesen, dass Sie an die Wiedergeburt glauben. Und dann habe ich mich gefragt, hängt das vielleicht damit zusammen, dass Sie selber so stark diese Freiheit in sich spüren oder spüren wollen, sich auch anders entscheiden zu können, dass Sie noch mal ein Leben brauchen, um möglichst viele Entscheidungsmöglichkeiten zu bekommen? Dans ma vision du monde, la vie sert à nous apprendre à acquérir plus de sagesse, plus de bonté, plus de conscience et plus de compassion. Yeah. Et ce que je remarque, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui arrivent en une seule vie, et en tout cas moi pas. Et que j'espère qu'il y en a plusieurs pour pouvoir arriver au bout avec un peu plus de succès. Wie sind Sie denn zu diesem Glauben gekommen? Wie haben Sie das gefunden? Eben, ich habe gesagt, Ihre Mutter war eine Pfarrerstochter. Sie sind eher christlich, glaube ich, aufgewachsen. Wie sind Sie zum Glauben an die Wiedergeburt gekommen, so, damit wir damit auch die Sendung beenden können? Alors, je vais vraiment finir comme un hérétique. Je vais vous dire que le christianisme n'est pas du tout en opposition avec la réincarnation. Moi, je ne sais pas s'il y a une réincarnation ou pas, mais je suis ouvert à ça. Et ma mère était hérétique aussi. Elle était fille de pasteur et on parlait de réincarnation. Et on a été suivre ensemble des conférences sur la réincarnation. On s'est dit, mais peut-être, ça paraît assez logique, pourquoi pas. Mais maintenant, je ne vais jamais vous dire, c'est comme ça. Ça existe, j'en suis sûr. Non, j'en sais rien. Mais ce que je pense être important dans la liberté de penser, c'est de se dire, peut-être que ça existe. Et si ça existe, on a intérêt à vraiment apprendre le plus de choses possibles pour évoluer aussi en tenant compte des vies futures. Et faire mieux que dans les vies passées. Dann beenden wir die Sendung in dieser Offenheit und vielleicht auch Hoffnung. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch, Bertrand Piccard.
Avec plaisir, merci de l'invitation. Ja, das war's von unserer Mission Sternstunde. Wie viel Unbekanntes braucht ein reizvolles Leben? Schreibt es gerne in die Kommentare. Hier drüben findet ihr raus, wie man besser scheitert. Und hier erfahrt ihr mehr über Bertrand Piccards Entdeckungen.